Ah YouTube, merde, t'as raté une course, je viens de finir premier. Ah, merde, mince, t'as raté une course sur ce soir, j'ai fini. Ah, Stade Wario, putain encore. Je viens de finir premier, YouTube, t'as raté. T'inquiète pas, c'est un bug, la couronne sur la tête de Euron. T'as juste raté une course, en fait, tout va bien. C'est parce qu'on est ex-aequo et malheureusement, le jeu il m'a choisi moi. Et quand il y a un ex-aequo, il n'y a pas plusieurs personnes qui ont la couronne. D'accord, j'ai compris. Et Smash Nintendo, il s'emballe avec maintenant. Smash, ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense qu'il s'en bat les couilles en vrai. Il n'y a plus de persos supplémentaires. Mais justement, tu vois ce qui m'intéresse. Et en même temps, Smash Bros, est-ce que c'est. Bah quoi ? C'est le timing en fait. Et comment ça, le timing ? Genre... Non, mais Smash, c'est pas un console seller, hein. Vous avez cru ou quoi ? MDR. Smash, c'est un jeu populaire, mais est-ce que c'est un jeu qui se vend à chaque fois ? Non. Smash, t'achètes une Switch pour ton neveu de 4 ans, tu n'achètes pas Smash Bros. T'achètes Mario Kart et puis c'est tout. Pourquoi ils ont attendu autant de temps dans ce cas ? De quoi ? C'est ça qui me... Pourquoi ils ont attendu autant de temps avant de sortir un DLC à Mario Kart ? Non, ils ont essayé de sortir un autre Mario Kart qui n'entrerait pas en concurrence avec Mario Kart 8 sur la Switch, hein. T'as déjà oublié, je crois, j'ai l'impression. C'est-à-dire ? T'as déjà oublié, j'ai l'impression, ouais. Y a un autre Mario Kart sur la Switch qui est exclusif à la Switch. T'as oublié. Mmh. Ah voilà, c'est... Voilà. Bah du coup c'est ça ce qui se passe quand il y a deux Mario Kart sur une seule et même console. Il y en a un qui a oublié. Ouais. Mmh. Allez, je te laisse jusqu'à la fin de la soirée pour retrouver le Mario Kart qui est exclusif à la Switch. Ouais, super hein. Ah non mais j'ai la chef hein, parce qu'en vrai c'est pas très compliqué hein. Mario Kart 8 ? Non, parce que Mario Kart 8 c'est un jeu Wii U, c'est un port Wii U. Vas-y, le Mario Kart exclusif à la Switch, c'est quoi ? Putain, mais Ayumu, je suis sûr, elle sait, juste elle peut pas parler. Oh non ! Elle va jamais vouloir lâcher son volant pour me laisser gagner, quoi. Ah, oui. J'ai l'impression que c'est un peu entre deux Smash, de quoi ? Ah, c'est un peu entre deux, oui, je sais ce que tu veux dire. Oui, c'est clairement ça, ouais. Smash, c'est un jeu qui est hyper populaire. Mais Oh putain, oh, je fais de la merde dans mes virages, c'est terrible. Ouh là là. J'ai la réponse, les enfants, je dirais rien. Ah, bien joué Arctic, t'as raison. Oh là là, j'ai fait de la merde là. Ah, j'aurais pu couper ce virage. Mon champi, au moment où j'allais cut. Ah bah heureusement que j'ai dépensé bien finalement. Ouh, Ayumu va doubler mais de rien. J'ai l'impression que c'est un peu entre les deux Smash, c'est à la fois grand public et à la fois joueur plus hardcore. Oui, alors typiquement, c'est un... En fait, le jeu de combat, c'est un genre qui est... Comment dire ? Quelle que soit la manière dont tu le présentes, en fait, le jeu de combat, c'est un jeu qui est réservé à une... Je vais pas dire une caste, mais bref. Tu l'as pas, Ayumu ? Mais c'est terrible, personne l'a, le Mario Kart exclusif à la Switch ! Mais c'est fou, ça, quand même ! Il y a un Mario Kart exclusif à la Switch ! Aïe aïe aïe, nous sommes les vides. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, le jeu de combat, si t'es pas un initié, c'est compliqué de te mettre dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Le jeu de combat, contrairement à Mario Kart, où de toute façon les gens s'en battent les couilles parce que c'est rigolo, machin, etc. Et en plus de ça, il faut tellement d'options de face de fonctionnalités de pour que le jeu joue à ta place que ça devient presque ridicule, quoi. En gros, Mario Kart, c'est vraiment full casu, tu vois. Mario Kart, c'est full casu. Il y a des mécaniques pour tryhard, mais c'est pas le gros du gameplay. Et les jeux de baston, je sais pas comment dire. Il y a une vraie maîtrise qui se cache derrière. Et il y a cet aspect 1v1, machin, etc. Tu vois, il n'y a pas cet aspect, on est assis sur le canapé, on joue des coudes, on s'en bat les couilles, tu vois. Jeu de baston, c'est vraiment mano à mano, tu vois. Bref. Mais tu réussiras à faire jouer quelqu'un à un jeu de baston. Mais est-ce que tu l'as fait jouer ou est-ce que tu l'as fait jouer sur la durée ? Parce que c'est ça la différence entre un Mario Kart et un Smash. C'est que Mario Kart, les gens l'achètent parce qu'ils savent que leur gamin, ça leur fera 15 ans, ils s'en battent les couilles. Alors que Smash, oh, t'es sérieux Ruby ? Bah, je vois pas ce qu'il y a derrière. Hein. Putain. Et
Elle joue. Putain, mais je fais de la merde du coup, je suis en train de lire le chat et je ne regarde pas la route. Puis, du coup, j'ai des boules de feu qui ne servent à rien. J'ai pas de pièces. Allez, c'est pas grave, je vais avoir un grand 8 et un Bilbal là pour m'attraper là. Vous êtes sérieux avec vos bananes là? Bah, j'ai qu'un seul item. Notamment les pierres. Celui qui veut le nom du MK, c'est 10€ sur PayPal. Ouais. Je vais le donner à la fin du stream, hein. Tu sais, ils attendent juste un peu et c'est bon. Hein. Je vais pas non plus en faire tout un mystère, mais bon. Mais c'est vrai que les gens l'ont oublié très très vite, hein, ce Mario Kart exclusif à la Switch, quand même. Hein. Putain, c'est terrible. Ça dégoûte, Rémi. Pour une fois. Et en plus, ah, et puis là, en plus, t'es pas bien placé là. Ouais. Voilà. Bah ouais, il fait bien lui. Ah non. Allez, ah salut. Non. Merci à Yumu. Merci à Yumu. Ah non, c'est lui à Yumu en plus. Oh, bon allez, je vais le dropper parce que de toute façon vous arriverez pas à le trouver. Est-ce que vous êtes prêts? Le Mario Kart exclusif à la Switch. Celui dont vous vous souvenez. Pourquoi est-ce que vous vous souvenez? Parce que vous y avez joué, vous avez adoré y jouer des heures. C'est Mario Kart Home Circuit. Ah mais oui, 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 en salon. Mario Kart Home Circuit. Voilà ce qui se passe quand Nintendo est en mode « Non, mais on va pas écraser Mario Kart 8 Deluxe, on va sortir un Mario Kart qui fera pas concurrence. » Bah ouais, ouais, clairement, il fera pas concurrence, ouais. Home Circuit, quoi. Voilà, voilà. Et ça coûte quoi? Mais si, Mario Kart Home Circuit. Tu sais, franchement, vous abusez les vaches, quoi. Mais si, Mario Kart Home Circuit. C'était quoi? C'était pas le machin avec le carton? Tu sais, c'est le jeu avec le kart radio-commandé, là. Voilà. Bah c'est le Mario Kart exclusif à la Switch, hein. C'est un vrai jeu. Hein. C'est un vrai jeu, il a ses circuits, il a ses machins, il a son fonctionnement, il a son gimmick. Juste, bah, vous y avez pas joué, quoi. Pourquoi? Parce que c'est pas un Mario Kart qui concurrence Mario Kart 8 Deluxe. Oh, vraiment, là. Putain, j'ai réussi à doubler à Yumu, quoi. Hein. Enfin, à doubler, non, mais bon. C'était pas moi. Mais merde. Moi j'étais équipé d'autre chose. Non. Oh, t'es sérieux, Ron? T'es le pire. Oh là là. Quoi? Mais vas-y, c'est moi qui les ai mangés, les trois carapaces. Mais putain, mais du coup, je me suis foutu dans le vide parce que mon perso voulait pas déraper de ta mère. Voilà, 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 voilà. Mais voilà. Mais voilà. Mais ta mère, le jeu! Oh non, j'ai pas d'objet. C'est vraiment trop fun, Mario Kart. Vraiment, c'est vraiment l'amusement intégral. Hein. C'est clair. Allez, regardez. Hop. La sauce que je me prends. Allez, ça dégage. Wow. Ah ouais, à un moment, faut que je me venge. Mais vas-y, du bout de la range! Y'a aucune justice! Y'a aucune justice dans ce truc! Dégage, Ruby! Putain, tu m'as fait tomber dans le vide! Yes! Allez, t'as l'air d'avance, Ayumu! Bah, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de la rattraper, vous m'avez empêché de la rattraper? Non, mais c'est pas vrai! C'est bon. Non! Bien fait. Salaud! Bon, il faudra que je respamme un peu le jeu, là. Il doit me rester des cartes à débloquer, les trucs en or, non? Il y a pas Mario d'or aussi dans le jeu, là? Oui. Comment on fait? Je crois qu'il faut avoir toutes les étoiles sur 150 CC. 150 CC, toutes les étoiles? Je veux les avoir, hein. Je crois. Ça doit être 200, du coup, non? Après, enfin, moi, j'ai aussi fait 200 CC, toutes les étoiles, donc je me souviens plus. Mais ouais, voilà. Je pense que c'est le 200, parce que je l'ai pas, il me semble, ouais. Et j'ai fini 150. Le 150, je l'ai fini, il y a peut-être le miroir que j'ai pas fini. En même temps, on va pas acheter 15 voitures télécommandées pour jouer avec des potes 5 minutes. Exact, je suis totalement d'accord avec toi, Imo. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que là, regardez, en vrai, c'est le vrai Smart Move, un DLC pour Mario Kart 8 Deluxe. Pourquoi? Parce que les gens maintenant, quand ils achètent la Switch, ils sont pas en mode « Oh, je vais acheter une Switch et quel est le dernier Mario Kart? Mario Kart 9? Ok. » Mais t'es sérieux, Auron?
Bah ouais. Donc, les gens qui achètent une Switch se disent pas je vais acheter Mario Kart 9 et je vais tuer Auron. Ils se disent je vais acheter Mario Kart 8 Deluxe et son DLC et je vais tuer Auron. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, plutôt que de dépenser une Switch et un jeu à 60 balles, ils dépensent une Switch, un jeu à 60 balles et un DLC à 25. Mais putain, mais je tombe dans tous vos pièges de merde, les bananes derrière les caisses, sans déconner. Rubik, tu n'as pas le droit d'être devant moi. Je m'en fous, je reste devant. Non, ah, mais t'as aussi. Ah oui. C'est juste que je ne l'ai pas claqué comme ça, moi, c'est tout. J'ai fait en sorte de pouvoir prendre mon virage, quoi. La verte random qui a... Ah non, ça t'a pas touché à une moue. Je suis déçu. Putain de merde. Putain, je conduis très mal. Aujourd'hui, les gens se disent j'achète la Switch, le jeu, les cartes, comme ça, s'il vient chez moi. Comme ça, il vient chez moi, je le surine. Mais non. Non, non, ils achètent pas au circuit du coup. Personne, franchement, à part les streamers, les streamers multigaming qui ont voulu faire du buzz, qui a acheté Mario Kart Home Circuit sans déconner? Si, peut-être un parent mal renseigné par Micromania. Certainement. Peut-être un parent mal renseigné par Micromania. Ou les parents qui ont trop d'argent. Et qui savent pas ce qu'ils offrent à leur gosse. En même temps, je les soupçonne d'être ceux qu'on retrouve dans les Micromania. C'est pas vrai, mais t'es sérieux là? Putain, mais y'en a combien de ces merdes? J'en avais 3 et t'as eu de la chance, il y a un mec qui t'a sauvé. Il a pris à ta place. Ok, tu vois. Tu vois le mec qui t'a sauvé. Non! Oh, j'ai raté, c'est pas vrai. Putain. Mais du coup, moi, en voyant la bombe, j'ai raté le saut et du coup, je me suis fait la bombe en bas. Je comprends rien. Cet enfer. Bref, en tout cas, voilà. C'était un très bon move, ce DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Et puis, ça va être rigolo, voilà. Juste, je sais pas comment est-ce que je dois me sentir sur le fait qu'ils ajoutent des circuits de Mario Kart Tour. On est 3 ex-déco, premier, c'est ouf. Franchement, je vais partir. Hein, oh là là, on a vraiment le choix entre la peste et le choléra et la merde. Mais non, c'est pour ce que je vais partir, je me sens de toute façon, les viewers, on sait tous comment ça va se passer. Ça va tirer mon aléatoire et ça va sortir un pays fromage. Et du coup, je vais gagner, je vais arrêter le stream et puis voilà, demain matin, je serai en pleine forme pour jouer à Pokémon. Voilà. En fait, je vous les ai jamais dit, mais je vous aime pas. En fait, je vous ai jamais dit, mais je vous déteste. Tous. Bref, du coup, en fait, cette année, il va y avoir moult trucs sur Switch en termes de multi, en fait. Ça va être chouette. Ah, Color Ruby. Je crois que j'ai envoyé Ayumu dans le vide, désolé. Ouais, là, vous avez fait un joli fauchage, là. C'est pas vrai, mais foutez-moi la paix aussi, là. Comment est-ce que vous voulez que je le dégomme au rond si vous m'envoyez des carapaces rouges? Envoie les tiennes avant. C'est comme ça que je fais et que du coup je me retrouve dernier. T'es sérieux et la mienne t'a pas touché? Mais va niquer ta race! Putain, vraiment j'adore Mario Kart, ça fait vraiment chaud au cœur en fait comme jeu. Putain de merde! Okay. Et puis alors ce soir je joue mal, mais mal! Ah, je rate mon virage. Mais j'ai un air, comment tu vas? T'arrives pour me voir en train de super mal jouer? Plus j'ai un air. Désolé Ayumu. J'ai un air. Du coup Ruby, je vais me manger. Voilà. Oh, ça c'est fait. Puis ça c'est pour Auron. J'ai rien pour me protéger, t'as les gouttes. Oh, c'est tant mieux. Pauvre. C'est tant mieux. Regarde avant ce que t'as. Comment tu vas, Gerder? Mmh.
Ah, j'ai réussi à prendre le virage. Je sais pas comment, mais j'ai réussi. C'est pour venir te voir mal jouer. Attends, j'ai pas lu ton truc, je suis en train de me concentrer sur la route. Mais j'arrive. Vas-y. J'ai eu rond là. Trop bien. Trop bien. Ça veut dire que je vais gagner. Trop chouette. Regarde. Oh, non, non, c'est pas vrai. Je suis trop une merde. Mais je suis trop une merde. Mais je suis la pire des merdes. T'as de la chance, j'ai pas réussi à te rattraper. Ah, je suis vraiment la pire des merdes. Je me suis mis sur un arbre à cause du rebond du truc, quoi. Le streamer et les joueurs vont bien. Ça va. Comme tu peux le voir, je suis en pleine forme et super heureux d'être là. Comme à chaque fois qu'on joue à Mario Kart. Ça allait beaucoup mieux la semaine dernière quand je gagnais, quand même, je remarque. Non, mais la route ruban, c'est de la merde. Arrêtez là. Ça fait blablabla comme ça, on croirait payer le fromage, quoi. Ouais, non, y'a pas de trous. Si, y'a des trous partout. Oh, il aime bien les courses avec des trous. Voilà. J'adore les trous. Mais non, Auron, on va l'appeler le poinçonneur des lilas, quoi. Le poinçonneur des lilas ou The Death. Y'a des shortcuts. C'est cool, les shortcuts. Allez. Oh, j'ai raté une caisse. C'est pas grave, j'ai une caisse dans la caisse. Ouh là là, mais décidément, c'est... Mais putain de... Est-ce qu'il y aura des trous dans le DLC? Je crois pas, hein. C'est intéressant. De toute façon, ils vont forcément... Il y a une coupe carapace bleue, donc ils vont forcément la garder pour foutre tous les pires circuits dedans. Genre... comment ça s'appelle, hein, les grosses routes arc-en-ciel, c'est mort là. Genre, t'imagines la route arc-en-ciel GameCube en remaster, la route arc-en-ciel Wii. Tu sais, à l'époque où on savait faire des vraies routes arc-en-ciel sympas, quoi. Pas comme ces vieilles routes arc-en-ciel dégueulasses à qui nous sortent là. Oh, la bombe là, il me met juste Oh non. Putain de merde, j'ai été obligé de freiner, génial. J'adore freiner dans ce jeu. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Pourquoi Auron est devant derrière comme ça? La bombe, celle de Ruby. Ah d'accord. Non, Jean. Vraiment? Enfin, je me suis fantomé ma banane, quoi. Oh, mais je joue trop mal ce soir, c'est terrible. Oh là là, c'est le décès. Adieu. Oh, je l'ai pris en dessous. Putain, mais ça se bat sévère là, hein. Je vais me rater. Je l'ai eu. Non. Oui. Ça dégoûte. Yeah. Ah, je me suis bien battu là. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, terrible. Quoi? J'étais deuxième, j'ai pas réussi à te rattraper. Et puis tous les deux ils ont coupé avec un champi. Du coup je me retrouve quatrième. Eh ben voilà. Terrible. T'avais qu'à pas être naze. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça qu'il faudrait que je fasse avec mon emote, toi en vrai, les viewers. C'est ça qu'il faudrait. Regardez l'emote de Gerder. Regardez l'emote de Gerder. C'est ça qu'il faut que je fasse avec mon emote, toi. Il faut que je la refasse. Il faut que je fasse en fait à la place. Et là, ça va devenir votre emote favori. Vous allez l'utiliser tout le temps. Ce sera génial. Non, mais c'est ce que je me disais là l'autre jour. J'étais un peu en mode ah, il est un peu tune down mon emote, toi. Il fait flipper. Oui, non, mais j'exagère après, mais tu vois. Je pense qu'on peut faire plus WA que l'IMO toi que j'ai actuellement. Putain, mais c'est pas vrai, mais vas-y, la carapace rouge devant moi, bah oui, bah là, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de foutre en l'air mon virage, juste parce que Mocio Auron a une carapace rouge dans son cul, qui va l'acheter en arrière là, même pas? Mais putain, mais foutez-moi la paix, j'avais une carapace rouge pour dégommer l'avant là.
J'aurais dû l'acheter en arrière celle-là, tiens. Non mais bref, faudra que je fasse mieux que ce que j'ai actuellement, je pense. Faudra que je vous refasse un petit workshop sur les emotes là. Il reste une dernière emote animée, il y a des emotes de follow à faire. Je sais pas si je l'ai fait finalement cette emote clip it. Mais putain, mais foutez-moi la paix! Je suis deuxième! Soit vous battez entre vous, soit merde quoi. Mais compris quoi. Aïe 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 aïe. Enfin, du coup j'ai rien pour te dégommer au rond. Bah tant mieux. Non. Non. Merde. Aïe. Et voilà, bah oui, voilà. Voilà. Ça va au rond, il est bien ton time trial là? T'aimes ouais, bien de te prendre zéro objet parce que j'ai rien pour t'attaquer? Ouais, tout à fait. Et pour toi, c'est là. Oh putain! Oh, il n'y a aucune justice. Il n'y a vraiment aucune justice. Ayumu, sache qu'il n'y a aucune justice. Sache que là, il y a une part au fond de moi qui aurait bien kiffé que tu te manges un gros karma sur cette carapace rouge là. Tu me passes pas devant, Ruby. T'as cru, mais en fait. J'ai un peu envie. Quoi? Putain de merde. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Tiens, tombe là. Mais putain. Bien fait pour ta gueule. Ça c'est bien fait pour ta gueule. Voilà. J'ai rien fait, merde. Voilà. Oh là là, Mario Kart, j'ai rien fait. C'est vraiment un jeu saint. C'est un jeu d'une sainteté, Mario Kart, vraiment, c'est... J'ai une rupture pignon, je suis mal à personne, bordel. Sanité plutôt, non? Ouais, S-I-N, donc sanité plutôt. Encore Valet Yoshi. Putain, mais y'a que des circuits de merde ce soir. Je vais te descendre peut-être. Ouais, mais c'est la meilleure. Après la descente du vrai. Ça, si oui, on voyait aussi ça, souvent. Bien. Si on voyait aussi souvent, circuit Yoshi que Valet Yoshi, moi je serais heureux quoi. Putain, vous pensez qu'ils vont ressortir circuit Yoshi dans le DLC? Genre je dis, c'est tellement le meilleur circuit, on le refait. Bien sûr. Je sais pas quoi. Non, par contre, la question c'est, est-ce qu'à un moment ils vont se dire qu'ils vont rajouter des persos ou pas, hein, ou des cartes. Peut-être qu'à un moment dans le DLC ils vont se dire, oh allez vas-y on se chauffe. C'est très mal pris en virage. Aïe aïe. T'es tombé à Yumu? Non. Elle est juste là. Ah, mais t'as pas me répondre. Oh le bâtard. Putain, mais t'es sérieux là? Ah, je me suis pris le truc retour. Vraiment là? Putain, mais comment il fait quoi? Oh. Désolé Yumu. Ouais, c'était moi. T'as pas remarqué que ce quelqu'un était vraiment sublime? Bah, j'ai... Qu'il avait un peu un physique d'Apollon et... Parce que c'est tout ce qu'on voit en Wario. Hein. Bien sûr. Ah bon? Ah bah, dommage. Oh non. Ouais. Bah, j'avais passé premier et je sais pas, j'ai dû trop couper dans le virage. Je me suis éjecté vers l'intérieur, j'ai pas vu ce qui m'a poussé. T'es pas pris la boule? Non, mais c'est un rebord hein. Ah ok. Mais c'était la manière dont j'ai rebondi était très bizarre. Ah oh, putain de merde, mais c'est pas vrai. Là c'est très bas Yumu. Je l'ai pas prise mais c'est très bas. Ah, quoique. Allez.
Oh, oh là là, j'ai peur. Bah oui, mais humiliez-moi! Humiliez-moi sur la ligne d'arrivée! Allez-y, la petite bombe en arrière alors que t'es troisième là! Qui c'est le connard qui a fait ça? C'est Ruby? Je te vois, Ruby, hein! Je pouvais pas les atteindre, les deux. Ah là là, on avait atteint là. La ligne d'arrivée depuis 4-5 ans. Il m'a chié dessus sur la ligne d'arrivée, quoi. Ah, Yomo était en étoile. Ouais, ouais. Il m'a littéralement chié dessus. Il m'a posé un petit caca sur la ligne d'arrivée, là. Pardon, excuse-moi pour le terme de connard, hein, évidemment. Je ne le pense pas. Enfin, juste un tout petit peu. Pour la défense, Ruby, pour la bombe, je pensais que Chou était derrière avec toi. Ah, mais c'est Ayumu qui l'a balancé. Non, non, c'était encore avant. C'était encore avant, justement. C'était une bombe que j'ai évité. Quand Ruby a dit ça, c'était bas, Ayumu. D'accord. En fait, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à prendre des DLC et tout pour ce jeu alors qu'en réalité, le seul circuit dont on a besoin, c'est la descente givrée. Je comprends pas. Vous avez acheté le DLC, vous? Parce qu'en fait, statistiquement, 48 courses en plus, c'est 50% de chance en moins de voir la... Enfin, c'est moitié pourcent de chance pour la descente givrée, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un circuit qui peut être comme la descente givrée? Aussi bien, non, c'est pas possible. Pas possible. En fait, quel circuit tu voudrais qu'elle fasse? Il y a la montagne des cas, il me semble que... La montagne des cas? Oui. Sur la GameCube? Oh putain, j'ai failli la manger ta banane. Sur Wii? Ouais. Ah oui, avec les... Oui, ouais. Ah, c'est DK ce circuit? J'avais jamais réfléchi. Le truc avec le half-pipe là? Avec le canon? Ouais, je crois que c'est ça, hein. Ouais. Oui, avec le canon, ouais. Putain, c'est lui qui l'a eu, j'ai les boules. Là, je me prends tous les arbres. Mais putain, et moi je m'en suis mangé un aussi. Par contre, je... Pourquoi est-ce qu'il y a que moi qui ai été stoppé net par cette attaque? Parce que t'es passé en fantôme, c'est ça? Avec le fantôme! Bien, wesh. Ok, bah super. Bah, je sais pas comment est-ce que je vais remonter de ça, moi. Hein. Peut-être comme ça. Oh non. Oh non, le con. J'ai paniqué, j'ai claqué mon... T'es sérieux? Désolé, non. Désolé. J'ai claqué mon... Oh. Mon poète beaucoup trop tôt. Mais je me suis pris la carapace. Non mais t'es quand même premier là. Oh, j'ai oui, que 18 sur 20. Mais non, non, c'est juste que je me suis pris une rouge alors que j'aurais pu l'éviter facilement. Ouais. Ah putain, Prairie Meme ou Circuit Mario? Ah bon bah, là il y a une chance sur 4. Hein. J'ai trahi mes origines, quoi. Ouais. Enfin, mes origines. Bon, ça va. Heureusement que Modo est là pour tout rattraper. C'est ça, pour redresser un petit peu le... Pour redresser un peu le truc. Mais j'avoue que c'est dommage que dans le DLC, ils sortent pas de nouveaux circuits exclusifs. Enfin, tu me diras, les circuits GBA vont être suffisamment retravaillés, en vrai. Attendez, est-ce qu'on en parle du fait que les Toads, c'est des polygones à côté, là? Jamais gaffe. Bah ouais. Justement, c'est bien pour ça, je me dis. Ils sont pas fait chier, tu fais jamais gaffe. Ah, pour une fois que c'est pas moi. Et pour une fois, je peux le faire. Ouais, genre. À d'autres. Je sais qu'il les jette, hein, les carapaces. C'est possible, hein. Désolé, Aimo. Quoi? Mais elle sort d'où cette carapace vers du snipe infini, là? Ouais, j'en peux plus de me manger vos bombes là. Hein. Ah, désolé, je vis des rubis. Pardon Yumu. Vraiment c'est horrible en vrai ce qu'on se fait là. Je vais éteindre les objets, vous savez quoi? On va faire un nouveau tournoi sans objets. Alors on va juste jouer. Juste conduire, ce sera très bien. Bah let's go.
On aurait juste gros champignon. Mais pas en fait. Protégez-moi. Quoi, une troisième? Non, c'est là, c'est moi qui me donne parce que j'ai une protection. Ah, il est. Ah, celle-là. Ah exactement la même que ce que j'ai fait. Aïe, voilà, ça me met quatrième. Ah ouais, bon, quel jeu incroyable. Ça va, on te fait pas chier? Non, ça va. Je profite du paysage. Auron, il a des courses plaisantes, quoi. Oh, pays fromage. Let's go, Animou. J'ai un tel niveau, je pourrais presque voter pays fromage, là. Ah oui, à ce point-là. Faites gaffe, c'est risqué là. Hein. Si je gagne, il y a vraiment moyen que je coupe le stream. Hein. Y a aucun moyen que tu gagnes. Y a vraiment moyen que je coupe le stream si je gagne. Hein. Faites gaffe. Hein. Faites vraiment gaffe. Faites vraiment gaffe. Bah, on sait qui focus du coup. Ouais. Non, pas de focus, pas de focus. Allez. Putain, j'arrive à rater le shortcut. Ok. Putain, mais vas-y, ça me saoule, il y a de la défense, bâtard. Ça me saoule tellement! Moi, quand je me mange une carapace rouge, j'accepte, tu vois, je me la mange, tu vois. Non, lui, là, il a de quoi se défendre, quoi. As usual. Et voilà, vous avez encore laissé Auron s'échapper. Content d'avoir une pièce. Et toi, Ruby? Oh, sérieusement, j'en plus. Non, mais Auron, le cheat est évident. Hein. Hop. Zoyomo. Oh putain. Aïe. Ah, trop tôt. On voit 4 carapaces. Oui. Oh non! Super, ça sert à quoi ça? Allez, ça part sur une fin de stream, salut les viewers! Non, je déconne. Oh, ça dégoûte! Allez! Oh là là! Ça vous apprendra à pique-payer du fromage comme des bâtards! Quoi? Pardon, excuse-moi, est-ce que je perds mon sang-froid? Non. Auron, t'es ban. Oh, Circuit Yoshi, vous êtes obligé de le pique. Ah, j'ai pépé. Contractuellement, vas-y, vous l'avez pas piqué. Mais contractuellement, vous étiez obligé là. J'avais gagné. Contractuellement, vous étiez obligé. Tiens, pocket. Oh, pardon, excuse-moi, je perds beaucoup trop mon sang-froid ce soir. Ça ne va pas du tout. Ah là là. J'ai pipé. Oh, deux fois que je gagne sur Pays Fromage. Faites attention, hein. T'avais 4 carapaces rouges. Ouais. 4. Est-ce que tu les as toutes méritées? Si gagnes... Oui. Si tu gagnes trop souvent sur Pays Fromage, là, il va s'entraîner. Hein. Et là, on pourra vraiment pas. Qu'est-ce qui vous fait pas dire que moi, je me suis pas déjà entraîné pour pouvoir gagner sur Pays Fromage? Regarde-le là, regarde-le Auron là, t'as vraiment foi en ce gars là? Il a perdu tous ses moyens, regarde-le. Regarde-le, il est plus que l'ombre de lui-même. Il se jette dans le vide et tout là, il est en mode.
T'inquiète. Je reviens. J'arrive. Là, on a l'ascendant psychologique sur lui, hein, les cocos. Hein. Faut en profiter, hein. Ça arrivera pas souvent. Hein. Par contre, vraiment la pièce, quoi. Vraiment la pièce en objet unique, ça fout un peu la barre. Tu te plains de ça, vraiment. Ouais. Ça m'arrive un peu trop souvent, là, dernièrement. Là. Notamment sur ce que tu m'as mis en début de course. Sur la course précédente. Ayumu, t'as bien fait de freiner. Ouais, c'est... Oh non, c'est pas gentil, ça. Et tu dis que c'est pas gentil. Bah, bien sûr. Tiens, Ayumu. Faut avoir freiné. Ouais. Ah. Oh, je l'ai vu là. Oh, je l'ai ça vu. Dit... Ah. Elle s'est tellement vengée. Ayumu, elle doit jubiler là devant son écran. C'est pas possible autrement. Et je parle pas des pluies saisonnières. Hein. Le giboulet. C'est pas grave, c'était pas terrible comme live. Oula. Oula. Je t'ai vu avec ta carapace verte. Hein. Ah, Auron, t'as pas vu avec ta carapace verte. Ça dégoûte. Je vous avais dit qu'il était en train de perdre ses moyens. Je vous avais dit, hein. Mais perdre ses moyens, c'était pour la blague. La blague qui s'est retournée contre. Désolé. Vraiment, elle était pas pour toi. Oh putain. Oh, vous êtes vraiment des salauds là. De toute façon, j'ai remarqué, dès que je suis premier, vous me jetez des objets. C'est un peu le principe du jeu. Quoi? Pas du tout. On peut pas te mentir. C'est un peu comme ça que les choses vont normalement. Oh, il est si long que ça, ça dégoûte. Pouf! Non! Vas-y! Vous avez dit qu'Auron il était plus en position tous ces moyens là. Bon, oui, bien sûr. Vous occupez pas de moi, moi je chauffe la quatrième place, y'a pas de soucis. Là. Je fais ça pour vous. Si jamais, voilà, y'a des gens qui ont envie de rejoindre pour prendre la cinquième, moi j'ai déjà pas mal chauffé la quatrième là. Ah. Moi ça me va, y'a pas de soucis, n'hésitez pas à rejoindre. Oh. Ah, dommage. J'ai peur. Je pense que Mario Kart, ça fait ressortir ma part d'ombre. Je pense que Mario Kart, ça fait ressortir la part d'ombre à tous. Je pense que vraiment, Mario Kart, je dirais 75%, 80% du temps, je suis Evil Pikachu, je pense. Ça, c'est une idée d'émote. Evil Pikachu, ouais. C'est vrai, c'est une très bonne idée d'émote. C'est une très très bonne idée d'emote. Qui pourrait être en emote sub plutôt que Rage. Qui a peut-être un peu fait son temps, non? Puisque personne l'utilise. Oui, effectivement, on l'utilise rarement. Bah, jamais, même. Enfin, dans les stats, ça fait des années qu'elle est derrière. Enfin, je suis désolé si je vais chercher les stats sur. Oh bah, dommage, Ruby, elle est pour toi celle-là du coup. Désolé. Mais arrêtez de me skiffer le cul, bordel! Bah ouais, mais en même temps, c'est toi qui m'as pété la gueule avec ton truc. Hein. Moi j'étais parti pour être tranquille et. Moi j'étais parti pour être amical, j'étais en mode je jette pas ma carapace rouge tant qu'il est la sienne. Tiens, regarde, hop. De toute façon, t'allais manger la carapace verte d'Ayumu. T'as une drôle façon d'être amical, toi. Enfin, c'est de la franche rigolade entre potes! J'avoue qu'il faut que je fasse une Evil Pikachu. Je sais pas comment j'ai évité ça. Oh! Ah non. Oh! Mais merde! Putain, mais puer du fion! Il faut que je fasse une emote fion aussi! Oh! Alléluia! Oh, c'était trop génial! Oh non! Ça, c'était pas génial du tout! Dis donc, Ayumu! La banane que tu m'as piqué. Dis donc! C'est qui ça? C'était qui ce boomerang là? Ah. Tiens, Ron. J'insiste, Ron. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Ah si. Merde, j'insiste, Ron. Ah merde, j'ai raté. Bon bah dommage. Passé 3ème, 4ème, même pas. T'inquiète. J'avais une banane. Non, pour la 4ème place, franchement, ne t'inquiète pas. J'avoue, un petit Evil Pikachu là. Donc on a dit quoi? On a dit Evil Pikachu et on a dit quoi aussi? C'était quoi l'autre idée? C'était Fion. 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 Il paraîtrait que j'ai perdu pied, Pocket. Quoi?
Non mais là je t'ai laissé une course. Je t'ai laissé une course là. Non, j'ai pas dit que t'avais perdu pied. J'ai dit que t'étais plus dans le mental. Comment est-ce qu'on fait une emote? Comment est-ce qu'on fait une emote des viewers? Non mais je montre qu'est-ce que c'est que de ne plus être dans le mental. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est facile à faire une emote evil? Tiens, alors c'est juste une idée comme ça hein, d'un autre stream. Je te mets dans. Ouais, mais Discord. Moi je fais pas les emotes des autres streamers. Sinon j'aurais fait l'emote. Pour te donner une idée. Ah oui, Kappa evil, ouais. Mais bon. Parce que sinon j'aurais fait l'emote pet the chou, tu vois. J'aurais fait l'emote pet the chou en dernière emote. Ah ouais? Hein? Rubi, c'est passé quoi là? Il s'est passé que je suis fatigué, que je sais plus conduire, voilà. Non, mais il s'est passé que le netcode a. Pour l'une des très rares fois de toute l'histoire du jeu, j'ai vu du netcode foireux sur Mario Kart 8 Deluxe. C'est très rare, hein. D'habitude, il se passe pas des dingueries comme ça, mais là, c'était assez incroyable. Oh, sérieusement, j'apprends. Ouais, j'ai. Non, mais c'est moi qui essaie de passer à côté et qui suis pas capable de le faire. Je vais me manger la carapace verte de Rubin, hein. Non, mais c'est pas vrai. Oh, la banane de merde. Non. Vas-y, elle était derrière un muret, je vous déteste. Allez, de loin, on y croit. Mais c'est pas vrai! Mais tu me casses les couilles avec tes carapaces vertes de merde, Ruby! Tu me pètes les burnes! J'ose le dire! Putain, je suis juste sous le joug des carapaces de Ruby! Oh, tiens, mange-toi ça! Oh, c'est rare ça, dis-moi! Oui, ouais. À 4, hein, ouais, ça. Bah, c'est parce que j'ai pris trop cher sur la gueule, du coup le jeu a dit: allez, tiens, on t'adonne! T'es où, Ruby? Il est trop loin derrière, hein. Il est là en train de me casser la tête, voilà, donc je sais pas pourquoi. Depuis le début de la course, il fait ça. Hein. Caché derrière. C'est toi qui t'empales sur mes carapaces. C'est toi qui me coupe les virages là. Regarde, qu'est-ce que tu viens de faire là? Qu'est-ce que t'as fait là? Ça servait à quoi ce virage? Ça servait à quoi? Bah voilà, bah oui, bah excuse-moi, je pose des questions moi. Je réfléchis en jouant, monsieur, moi. Vendredi soir, je vais réfléchir. Il a juste give up en fait. Non, mais là c'est vendredi soir, un moment. On réfléchit pas. Ah, mais putain, un moment, leave me alone quoi. Oh putain, merde. Ah, y'a vraiment un bivol qui arrive quoi. C'est bon, je suis pas double. Réfléchir. Qu'est-ce que c'était ton emote là? Exactement, j'ai retard. Elle est cursée un peu ton emote, Ruby. C'est. C'est evil. Ah ouais, enfin là c'est evil. C'est evil maudit quoi. Non, moi je pensais plus faire un truc genre. Genre des bonnes grosses cornes et une petite queue de diable, tu vois, un truc facilement reconnaissable, tu vois. Bah écoute, moi je partage les idées, tu prends ou tu prends pas, hein, je m'en fous. Tu vois, genre un truc comme ça là. Ah ouais, c'est bien ça, déformer le visage pour faire un triangle. Ça, c'est une bonne idée ça. Il y a bien que les miroirs qui réfléchissent le vendredi soir, waouh. Putain, on dirait une énigme du sphinx, d'un sphinx, mais sphinx monoprix. Tu vois. Qu'est-ce qui réfléchit sans avoir de ménage? Qui suis-je? J'ai moitié moins de points que Auron. Un petit truc comme ça là, c'est pas mal ça comme idée là. Non mais c'est à cause de Pocket. C'est pas mal comme idée là. Attendez, je vais vous montrer après. Ça reprend un peu l'idée de Rage, mais en termes de pause, mais en mieux, je pense. Mais alors, la pièce, premier item, vraiment, quoi. Interdire. J'ai bien zéro défense, tu vois, comme ça, là. S'il y a quelqu'un qui veut me jeter une carapace verte, je suis niqué, quoi. Écoute, j'adore ça. Je me débat avec ça depuis le début, hein. Quand ouais, je comprends bien, ouais. Et après, on dit mais que quand t'es premier, quand c'est le premier item de ta course, c'est pas pareil, je trouve, quand même. Terme d'impact mental. Je l'ai souvent, hein, cet item en premier de la course. Tiens, Yumi. T'as pas de cœur d'avoir pris ce circuit là.
Elle arrive quand ces carapaces rouges là? J'ai un indicateur au cul depuis 10 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette carapace? Vous avez voyagé avec ou vous en avez lancé 15 successivement là? Oh, joli ça, Pocket. Bah c'était totalement à l'aveugle, mais statistiquement sur le pont vous avez pas beaucoup de chance de vous en échapper donc c'était un safe bet disons. Ça c'était moins un safe bet. Ouais forcément ça allait m'arriver du coup. Allez, on se prend. Oh, on n'a pas d'objet. Si vous voulez le pourrir, c'est le moment. Genre ça. Oh! Mais j'y crois pas! Mais j'y crois pas du cul en fait! Merde! Et voilà, il est tombé. Ah! Bah, j'ai eu une carapace verte m'arriver dessus par. Non! Quoi? Oh, mais putain, mais la luck que j'ai eue, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Mais putain, mais la carapace rouge à bout portant, t'es mort! Oh, le dégoût! Vas-y, premier toute la course là. Et je me fais dégommer par des gens qui mangent les obstacles de la course, quoi. Voilà. Bah non, je prends les carapaces. Bah c'est moi. On est deux sur le pont, c'est moi qui me prends les carapaces. C'est moi. Ah, y a aucune justice au rond, il va s'en sortir comme ça, quoi. Allez, tu tires. Non. Oh, c'est pas vrai. J'ai lâché pas exprès. Putain. Ah! Quel enfer! Regardez les viewers. Hop. Si je fais une emote comme full cam, c'est ça. Comme ça là. Merde, il est où mon doigt? Comme ça. Avec un visage un peu allongé en V. Comme ça. Ah ouais. Vous voyez? Une petite queue, machin, tout ça là. Bref. Ouais. Merci. Est-ce qu'on en parle du fait qu'il y a encore pays fromage et que Auron a encore voté pays fromage, quoi? Bah évidemment. D'accord. Ouais. Il veut sa revanche. Bah attention, Giro, hein, j'ai gagné ce soir, hein, donc j'ai le droit de rage quit, hein. À tout moment. Hein, un pocket. De quoi? Les yeux rouges derrière les lunettes. Bien sûr, les yeux rouges derrière les lunettes. Oh, oh yes. J'aurais préféré le pays fromage. Ah non, moi non, ça va. Aussi, hein. Merci pocket. Moi, ça va. Avec un petit piercing au nez. Putain, c'est une bonne idée ça. Petit piercing au nez là. Le buffle. Bonne idée ça. Et des flammes. Putain, j'ai pas pensé à la flamme. Il faut que je pense à la flamme. Ah, bien sûr. Fire. Là, putain, plutôt que le petit trident de merde, je vais faire un feu dans ma main. Ça va être beaucoup plus badass. Ouh. Putain, incroyable. Comme... Mais j'ai des idées, mais je suis un génie quoi. Ah, la carapace rouge, elle va être pour moi en l'air. Genre là. Même pas. Incroyable. Bah t'as raté ton timing Ruby quoi. Putain de merde, vas-y je suis en ralentisseur. Et j'ai pas eu d'objet à cause de qui a foutu cette banane là? Hein? Mais c'est possible ça? J'ai été mis dans le vide par le propulseur. Je suis sorti dans le vide. Mayumu pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle a freiné pour me mettre la rouge. Sérieux? Ça va me lâcher au pire moment, ça va me lâcher là, ça va me lâcher là, ça va me lâcher là. C'est bon, ça va. Ah je me suis pris ma propre banane. Bah bien fait pour ta gueule. Ah Yumo aussi t'as mangé un truc. Quoi? Mais putain, mais est-ce qu'on peut me foutre la paix 2 minutes dans ce jeu? En fait. C'est pas sur le bon jeu je crois. Putain. Auron comme d'hab on t'aime criole hein. Comme d'hab Auron personne le dérange quoi. Attends. Ça j'ai balancé toutes les rouges que j'avais. Ouais. C'est à dire que deux. Tiens regarde celle-là si là. Ça, hein. Regarde. Il y en a une autre là encore. Ah je l'ai pas prise. Quoi mais elle part où mes rouges en fait?
Bah là, elle a pris un autre trajet. Je vais faire doubler, tu vas voir. Pire moment. Mais putain de merde, j'aurais pas mangé la banane, j'étais bon. J'ai regardé en arrière pour regarder Ruby. Yes, j'ai bien fait de poser ma banane alors. Comment est-ce que je fais les yeux? La banane sauveuse. Je fais ça sur les yeux, non? Peut-être. Je fais des bonnes grosses étoiles de mort là, comme ça là. Ah, c'est bien ça. Comme ça. Ça fait un peu de Joker quand même. Comme ça, et puis du coup on fait plutôt une flamme qui tient un feu. Comment est-ce qu'elle est cette flamme qui tient un feu là? Il y a un pouce comme ça. Pouce comme ça, into les doigts comme ça. Il y a un petit doigt qui vient devant. Ouais, ok, pas mal. Ok, comme ça. Hop. Et qui tient un feu quoi. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a de l'idée. Je ferai ça entre ces quatre. En pleine création artistique pendant. Mais en fait, quand j'ai eu l'idée, si tu veux, quand j'ai une idée, en fait, je sais pas comment dire, quand j'ai des idées d'emote, ça m'a vraiment fait une fièvre sur le coup des emotes animés et tout, que ce soit, Ruby. Je suis désolé, c'était pas hyper subtil, mais. En même temps, je pouvais rien faire, là, j'étais en train de rater mon virage, j'étais. Oh yes, tiens. Quel bâtard, bah tiens, prends-toi ça. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le karma, mon pote. Hop. Ouais, c'est clair. Faut clipper ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, le cherchez pas, hein, le clip de la semaine, il était déjà là lundi. Hein. Cherchez pas, hein, désolé, hein, mais. Lundi. Ouais. Bah, c'est tant mieux si vous l'avez oublié. C'est tant mieux si vous l'avez oublié, parce que moi du coup ça me laisse le temps de me le réapproprier. Pour en faire un truc un peu bien. Je pense que vous n'êtes pas prêt, parce que vous avez éventuellement le clip en tête, mais vous n'êtes pas prêt pour ce que je vais en faire. Parfois j'adore les clips de la semaine, comme tu les refais. Ouais, ils sont sympas. Hein. Ouais. Ça rend super bien, ouais. Bah, et puis moi après ça m'aide pour le best-of globalement, donc c'est une bonne chose. Est-ce que tu as peur de ma pièce? Oui. Bon, Yumu, je vais jeter cette carapace verte. J'espère que tout se passera bien et dans le respect de chacun. Ah, qu'est-ce que j'ai mangé là? Pourquoi est-ce que j'ai dégagé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Un crabe? Bah, non. Je pense que je suis juste ivre. Hein. Ah, d'accord. Un vendredi soir, ça peut arriver. Hein. C'est vrai. En fait, je suis le trésorier de Mario Kart, c'est pas possible. Enjoy, hein. Oh là là, ça pue la merde, ça. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, quand je fais des emotes, en fait, j'ai une idée, il faut que je la sorte de la tête, c'est hyper important, parce que sinon, je perds le truc, et voilà. C'est pour ça, là, tu vois, j'ai des emotes, genre par exemple, la prochaine emote animée, elle est designée depuis longtemps, mais je l'ai disais, tu vois, je l'ai faite, quoi. Je sais pas comment dire. Elle est là, quoi. Le royaume sommet, sans hésiter. La meilleure course. Meilleure course du monde, évidemment. Alors que Auron, lui, qu'est-ce qu'il souhaite? Le malheur des autres, le malheur des viewers, le malheur des gens qui vont devoir subir la route arc-en-ciel version Super NES en 6500 km par seconde. Vous en avez assez, hein? Vous en avez assez de toute cette route arc-en-ciel? Ça veut dire que. Dites non à la route arc-en-ciel! Ça veut dire qu'on va avoir 3 nouvelles routes arc-en-ciel dans les DLC? Pourquoi 3? Parce que en gros, je me base sur le fait que là, on a déjà 48 courses. Et on a 3 routes arc-en-ciel parce qu'on a 3 séries de. On a eu l'arc-en-ciel, la route arc-en-ciel de cette génération, l'arc-en-ciel rétro et l'arc-en-ciel DLC, c'est ça? Oui. Moi, je pense qu'ils vont sortir que 2. De chier, j'ai dû balancer une carapace rouge pour rien. Quoi? Ah, Yumu, elle a réussi à faire un dab juste devant moi là.
champion sur cette pointe. C'est très utile, n'est-ce pas? Très utile et super boss. Pour les yeux, c'est waouh. Je cache pas. C'est bien, je sais pas quoi faire demain. Je comprends le jeu de tiens. J'ai trop joué à Mario Kart l'année dernière. Ah ouais, je comprends. Ouais. Donc, écoutez, je vais vous filer des gouttes pour les yeux et du traitement anti-épilepsie. Enjoy. Le fantôme, j'ai toujours les pièces. Très bonne question. Oh wow! Je suis vraiment le trésorier de ce jeu. Non mais, Limou, la réplique quasiment elle m'a snipe avec des flammes. Heureusement que j'avais une protection à chaque fois. Du coup, j'ai rien pu t'envoyer, Pocket. Ouais, bah moi j'avais des protections de toute façon. Putain, elle est bien cette emote que j'ai designée là. Comment est-ce que je l'appelle? Je l'appelle. Attendez. True Evil ou True Devil? C'est mieux? C'est quoi le mieux? Pocket c'est un Evil ou Pocket c'est un Devil? C'est mieux Evil? Evil non, ouais, c'est mieux Evil. Hein. Ah, elle est bien celle-là Evil, aussi, ouais. C'est Ponce? Ah non, c'est Magla. Ouais. Oh putain, non! Oh non, sérieux? Mais non. C'est quoi? Encore? Mais j'en peux plus! Merde. Alors que vous pouviez juste voter Circuit Yoshi. C'est tout en fait, mais voilà, vous avez fait les mauvais choix, comme d'habitude. Circuit, aucune quoi, surprise. Pas. Circuit Yoshi. Faut pas dire vous, hein. C'est la faute que d'une seule personne ici. Ah ouais. Moi j'ai pas vu. J'estime, Yoshi, que, j'estime que vous avez tous le potentiel pour être des traîtres. Oh, oh salaud. Oh putain, ça m'a foutu dans le vide. Non, Imou. T'inquiète pas, Imou. C'est tout le monde qui est dans le vide en fait. Vous êtes tous tombés là? Mais attendez, on a vraiment fait un virage où on a 4 personnes qui sont légit tombées dans le vide. Incroyable. Ouais. Oh putain, Yumu! Dites donc! Super. Bonjour? Donc tu perds avec une pièce. Il est sérieux lui là? Avec ça là? Mais putain de merde! Je m'en bats les couilles, j'ai eu ta double caisse. Est-ce que ça m'a mis dernier juste pour un double objet? Oui, clairement. Est-ce que j'aurais pu faire différemment? Peut-être. Est-ce que je regrette? Bien sûr. Est-ce que j'aurais aimé viser savoir... Est-ce que j'aurais aimé savoir viser Ruby? Sûrement. Oh, dis donc là! Le salaud! Ah bah tiens, ça m'a fait ça aussi tout à l'heure. Voilà, le jeu a dû estimer que t'allais pas assez droit ou je sais pas quoi et voilà. Ça ouais. Nique-toi, I guess. Quand j'imagine quand ça t'arrive, nique-toi juste en fait. Je pense un peu. Le délire. Oh le bâtard, j'en peux plus de lui. En plus, j'ai pas visé hein. Bah oui, j'ai bien compris que t'avais pas visé, oui. Ça s'est vu que tu visais pas hein. Non, non, mais c'est la banane, non. La banane la plus malfaisante du monde, quoi. Putain. Elle était maléfique, celle-là. Elle était vraiment maléfique. C'est là qu'il faudrait mettre Pocket et un Evil. Ouais, c'est exactement là qu'il faudrait faire. Evil. Et je pense que je peux aussi refaire WA pour qu'elle soit mieux. Le champi doré, c'est vraiment le pire item. Avec la plante piranha. Avec la plante piranha, c'est vraiment les pires items. Oh non, la plante piranha, elle est bien, je trouve. Non, ça sert à rien. Bon, et Wa, si je la refais, genre, il est comme ça. Comme ça, il est penché vers l'avant, comme ça, une oreille ici. Comme ça. Et si au lieu de faire... Attendez, déjà, j'ai oublié de mettre la barbe sur Enfer, sur Evil. Ou enfer simplement. Pocket c'est un enfer. Pocket c'était un enfer. Ah mais tellement bien joué Ruby. Ok j'avoue. Enfer c'est rigolo. Pocket c'est un enfer, bien joué. Bien joué. Oh oui. Oui. C'est sérieux là?
Oui. C'est quoi, c'est l'aléatoire? Ouais. Oui. Bon, je vous préviens, si je fais troisième fois, je vais vraiment couper le stream, hein. Si je fais troisième fois premier sur Pays Fromage. Comment ça, troisième fois? Comment ça, troisième fois? Comment ça? Oui, aujourd'hui, oui. Enfin là, avec mon historique sur ce circuit, on en est quand même à un truc où on va compter à chaque fois où je suis premier, quoi. Je vois. T'es plus là pour là, hein. Prends ça, premier. Je crois que j'ai arrêté pour ce soir, je sais pas. T'es pas au courant des bails, toi, Gerder? Tu viens peut-être pas assez souvent sur Mario Kart. En fait, ce circuit, je le déteste. Mais pas genre, je le déteste. Genre, tu veux me gâcher ma journée, tu me fais jouer sur circuit. Oh là là. C'est à ce point-là que je le déteste. Et en fait, si bien qu'à un moment, Gerber, si tu veux, en stream, j'avais déclaré que si je finissais premier, je coupais le stream. Et depuis peu, il s'avère que je gagne quand même de temps en temps sur ce circuit. Attends, laisse-moi passer devant, s'il te plaît. Faut pas que je jinx, là. Mais il s'avère que des fois, je gagne. Vraiment, sérieux, là? Ce genre d'alliance, là? Ce genre d'alliance, là? De ton côté. Ce genre d'alliance, là? Voilà. Que dalle d'alliance. Juste tu es un mec vraiment, qui sait pas prendre son virage. T'es sérieux, Auron? C'est quoi cette vanne? Mais tu l'as sorti d'où, là? Ben, trois champignons. Mais en étant deuxième? Ouais. Non, j'étais troisième. J'étais devant. Ah, donc tu les as eu derrière. Quand tu les as eu quand t'étais derrière lui et que tu lui as demandé de passer devant, c'est ça? Non. Je crois que. Du coup. Bah attends, mais what the fuck? J'ai pris une rouge quand je suis passé devant lui, mais j'avais non, déjà. Non, mais comment est-ce que tu m'as rattrapé derrière. En termes de vitesse en étant aussi loin derrière? Là, j'ai rien vu là. Bah, j'ai pris deux champions. Faudra que je regarde cette course parce que. Mais quel cut t'as? Oui, non, mais le cut de la fin, j'ai bien vu! Mais t'étais déjà sur moi, t'as enchaîné combien de champignons? J'étais trop devant là. 4. Non, 3. 3. 3 champis. Mais t'as coté combien de virages avec 3 champis? 2. Ah oui, d'accord, tu les as pas eu dans la dernière caisse. Non. Ok. Ceci explique cela. Bien joué. Merci. J'ai eu la chance, hein. Si je, je ne les avais pas eu, t'aurais gagné. Bah ouais, bien ce que c'est. Non mais quand même, on est passé de I hate pays du fromage à je vous latte sur pays du fromage, quoi. Faites gaffe, hein. C'est dangereux, hein. Faut se méfier du Pokéchou qui dort plus de 8 heures par nuit, hein. Oh, comment t'as esquivé ça? J'ai de la chance. Mais vraiment, là. Allez, vas-y, je déteste. Désolé, Ruby. Le goût du sel. Du coup, c'est une rouge qui se sont pas pris devant. Ah là là, ouais. Ah, Yomou, je te déteste. Auron, je te déteste. Et pas Yomou. Mais qu'est-ce que je fais? Putain, mec, je conduis n'importe comment, c'est ridicule. Rassure-toi, Pocket, tu ne peux pas conduire plus mal que moi. Ah là, quand même, il se passe des jolies dingueries sur mon écran là. Je pense qu'il y a 2-3 viewers en train de faire un AVC là. Avec ce qu'ils sont en train de voir. Désolé, Ruby. Hein. Ouais, bah. Ton de... Mais ton vas-y, mais. Ta race! Qu'est-ce que je fais? Sans libérage, c'est pour les faibles. Alors, le problème, c'est que j'aurais bien aimé dire ça, mais il s'avère que je viens de me manger deux fois sur ce virage en une seule course, alors que ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Donc, ça va être compliqué là.
Et je mets trop d'énergie dans ces courses là, dans ces pays fromage de merde. Yeah, yeah, ça se cherche des excuses. Bravo. Ouh là là. Ah, trop tard. Dommage, j'étais pas très loin. Donc, ouah, comment est-ce qu'on la refait? Un moment. Je l'ai comme ça là. Elle est comme ça pour l'instant. Est-ce que tu tentes de faire comme Wario, comme il a montré Gerder? Ouais. Comment est-ce que je fais une bouche plus ronde du coup? Parce que. Comment est-ce que je fais une bouche plus ronde? Mais tout en gardant l'aspect, je me marre. Donc il faut que je fasse un truc où on voit quand même un sourire. Ah, c'est marrant parce que moi, quand tu dis ouah, je vois Wario qui dit I hate losing. Quel connard. Dis donc, Coron, tu sais que le ban ça existe quand même. Quoi? Pourquoi? Le permaban, ça existe, non? C'est pas pour te foutre de ma gueule que tu dis ça? Non, pour de vrai. Non, c'était pas méchant. Ah ouais. Non, je te jure. Ouais, c'est ça, je veux faire un espèce de truc un peu à la pop de cat. Je pense, en termes de forme de bouche. J'ai un peu raté, là, mais... Ouais, je peux faire un truc comme ça, c'est pas mal. Oh, salut, t'as pas pris la pièce, Ruby? Oui, je l'ai prise. J'ai une pièce, regarde. Ok, on a dédoublé la caisse. Ouais, ça par contre, c'est le truc qui va pas dans le netcode, je pense. Par contre, d'où dans la même caisse, toi t'as une banane et moi une caisse. Ouais. Ça dégoûte. Bah quoi? Bah c'est un random tiré au hasard en fonction du joueur, c'est tout. Oh, ouais. Quoi, cette random verte? Vraiment génial, vraiment c'est un super jeu ce jeu. Non! Bah ouais. En même temps, t'es passé devant moi, je t'ai vu avec ton champignon là, j'étais en mode bah je vais pas le laisser faire clairement. Bah oui, bah comme ça c'est Oran qui passe devant. Voilà, il y a rien en time trial comme d'habitude. C'est vrai que avoir moins que la moitié de ce point, c'est pas. J'ai vraiment un niveau de conduite ce soir qui est exceptionnel. Je sais pas ce qui se passe, mais là c'est vraiment au-dessus, c'est over the top. C'est vraiment un circuit que je trouve pas incroyable, ce circuit en vrai. Donc là, on se trompe pas, je vais redresser un peu, voilà. Ah, bien joué, jolie revanche. Ah mais c'est Ayumu qui m'a dégommé. Par contre ça va là? Y'en a combien? Non mais y'en a combien de ces carapaces là? Non mais c'est la Mundo qui est trop généreuse. Et elle a une étoile alors que moi je me tape une vieille. Mais ils ont des étoiles alors que moi je suis troisième avec une vieille carapace verte de mort! Aucune justice. J'ai littéralement deux pièces tellement j'ai pris cher là. Vous rattraper là, vous allez avoir des champignons, c'est ça? Non, je sais pas comment. J'ai pu rattraper Ruby parce qu'il est nul, ça va. Bon, moi je reste là. Pardon, regarde, j'ai moins d'un titre. Aïe. Ah, c'est dangereux un Mario Kart hein, quand même, hein, quand t'es pas en forme. Hein. Finalement, je pense que le DLC, je vais pas le prendre. Mais si, regarde, c'est plein de circuits sur lesquels tu vas pouvoir jouer à égalité avec Oron au moins une soirée. au moins, genre à minuit, le jour de la sortie, t'as une chance de le battre. Honnêtement, 35 balles pour une soirée. Ah, il y a une qui est partie. Ouais. Ah. Ah, Ayumu est de retour. Retour d'Ayumu. Pour nous jouer des mauvais tours. Donc oui, je disais 35 balles pour une soirée. Je préfère encore me faire un ciné, honnêtement. Ah oui, ah quand même. Ça fait un peu cher la soirée quand même, 35 francs. Hein. Mais non, 35 francs suisses pour 6 soirées.
aussi soirée. C'est vrai. Ah, parce que c'est 6 vagues. Oui, il y a 6 vagues. Et on parle c'est pas du 6 Covid. 6 fois 8, 46. Et on parle pas du Covid. Ruby, t'as le fameux starter quoi. Ah merde, j'ai manqué la bonne route. Bah, le fameux. Oh, j'ai pas la route. Une route. Oh, mais c'est pas vrai, mais la carapace rouge là. Waouh, wow, tellement bien placé la banane. Bah c'est parce que je m'attendais à avoir une carapace rouge dans la gueule, mais en fait non, apparemment. On vit tellement mal, j'ai découvert un nouveau chemin. Par la droite là. Ouais. C'est en réalité. En réalité c'est la fast route, hein, il me semble. Hein. Mais pas la toute droite, c'est. Il y a un truc encore entre les deux. Très mal placé cette banane. Mais elle est où ta verte? Ta carapace verte? J'ai pas de carapace verte. Ah bon? Mais tu peux pas que t'avais une carapace verte? Tiens, regarde, par contre j'avais ça. Oh là là! Oh là là! Non, parce que moi j'avais ça. C'est sérieux là? Ouais. Pourquoi je l'ai pas mangé? Mais tu l'as pas prise par contre. Bah non. Oula, oula, il m'ouvre. Oula, c'est très dangereux ce qu'on fait là. Ah, il m'ouvre. C'est pas gentil. Je suis sûr que tu ricanes. Tiens, Ruby, va te faire les pieds. Mais non, non, mais pour une fois que je suis devant. Putain, bah t'inquiète pas, il m'a dégommé aussi. Combien de temps t'as été devant, tu vois, bordel. C'est vrai que c'est pas cool, mais bon. Ah, elle est sympa ta route, Ruby. De revenir. Oui. Mais c'est chouette ça en vrai, ça va vite ce truc. Ça va super vite. Et j'ai découvert ça parce que je conduis hyper mal ce soir. C'est pas logique. C'est rigolo. Pourquoi je finis avec ça sérieusement? Mais quoi? Mais putain, je me suis mangé un intérieur de virage tout pété là. Hein, mais Auron, t'es sorti d'où? Avec un champi. Avec un champi? Ouais. Très drôle, t'es passé exactement dans mon angle mort. J'ai regardé derrière, t'avais disparu quoi. Ouais. Très drôle. Elle est mieux comme ça, Imotoi, là. J'aime bien là, elle est marrante comme ça, elle a une bonne vibe. GG Ruby. Merci. Et en plus, j'ai trouvé un nouveau chemin. Tu t'es pris une bleue, hein. Donc, respect. Elle est bien comme ça là. Bon, d'accord, je m'en ai convaincu. De la merde, de la merde ou de la merde. Bah, vas-y, aléatoire, on va tirer un petit pays fromage là. C'est bien, Ruby. En fait, c'est ça, il faut que je menace le jeu de pas l'acheter. Comme ça, j'ai lu le premier. Nintendo mode quoi? Mon argent! Mon argent! Oh non! Ça va, elle est bien cette course. Mais... Elle est bien! Elle est bien! Mais la sueur et la saleté, j'aime pas dans le métro. Mais non, mais là, c'est un métro propre, c'est pas un métro Mario. Sale! C'est le métro de Mario, ils font pas caca les Todd. Ah, Ayumu, c'était c'est pas vrai, très gentil c'est... ça. C'était pas c'est très Charles. Les gens qui sont sales. Ils font des saletés. Les Todd, ils font pas caca. T'as apprécié le côté du tram de Dei? Ouais, il était très savoureux. Hein. Un gros, il avait un léger coup salé, non? Ouais, ça doit être là que. Oh, c'est quoi cette carapace rouge en arrière là, monsieur là? Ouais. Oui, mais j'avais un double juste devant. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais qu'est-ce que je fais? Je conduis trop mal là. C'est terrible. Je conduis trop mal. Aïe! Aïe! Oh putain, mais tiens! Quoi? J'ai pris. Voilà! Bah, la carapace qui est la banane qui tourne autour de moi. Sérieusement. Aïe 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 aïe. Elle est vers moi, Yumu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a déco? Non. Peut-être qu'elle a déco. Hein. C'est un métro Jap. Ah oui, c'est vrai que les métros japonais sont propres, non, c'est ça? C'est vraiment si propre que ça les métros Jap.
Tiens, voilà, là je le bouffe le métro. Tu le bouffes ou tu te fais bouffer par le métro? Non, je le bouffe. C'est la même chose, hein. Sous étoile, je le bouffe. Non! Vous avez, t'as lancé tes trois carapaces trop rapprochées. Ah. C'était moi. J'en ai mangé une. La deuxième, elle m'est passée devant, je ne sais pas pourquoi, mais de toute façon, elle se serait éclatée sur moi et la troisième aussi. C'est vrai que les circuits ne me tentent pas, quoi. Écrire ou conduire, il faut choisir. Ah, mais c'est pour ça. Après, Suspense, c'est à son comble. Tu te mets en reconnaissance vocale, quoi. On va avoir des putains chiés qui vont drop au milieu de la course, là. Ok, Google, dealer, fais chier. Et du coup, ça écrit dans le chat, dealer, fais chier. Ouais, c'est ça. Non, leur fait chier. Oui, leur fait chier. En fait, ce qui m'emmerde, c'est que je sais pas quoi faire en emote follower, les viewers. J'ai pas le love, par exemple, le... Non, le love, c'est l'emote sub. C'est vrai que ça pourrait être une emote follower, mais bon. Et donc là, le cut à prendre, c'est ça. Ok, d'accord. Mais c'est pas vrai. Mais je t'ai vos carapaces rouges de merde, là. J'en peux plus, moi. Mais elle a une banane. Ça, elle a toutoulou, une carapace rouge. Putain de merde. Je suis pas en forme. Je conduis très mal. Hein. Ce circuit, je crois que vraiment... J'ai jamais exactement compris comment est-ce qu'on était censé faire. Il y a beaucoup de virages où t'es vraiment censé tenir ton dérapage longtemps. J'ai trouvé le moyen de me la foutre. C'est la peine ou quoi? J'ai envoyé une carapace verte. Et elle s'est retournée contre le bruit. Ah, bon, bon, coucou Chichi, comment tu vas? Chichi. Oh là là, ah ouais, d'accord. Ah, c'était très intéressant comme virage, ça. J'aurais pu être deuxième. Tu fais pas de moi, je reste quatrième. Comment tu vas, Chichi? Tu nous rejoins? Je réchauffe la place. Tu nous rejoins? Ça va? Ouais. Ça va, ça va. On pense aux emotes. Mais bon, voilà, hein, les emotes follow, je sais pas, j'ai pas d'idée, hein, c'est terrible. Hein. J'étais en mode faire une emote clip it, mais c'est moche, quoi. J'arrive pas à faire un truc bien pour clipper. De quoi, Herbie? J'ai eu peur. Ah, non, mais de toute façon, la route arc-en-ciel, on l'a déjà faite. Pas le coup du dragon. Non, mais ça va ce soir à la route arc-en-ciel, là, ça suffit, là. Arrêtez-vous. Non mais justement. On l'a pas choisi. Vraiment très hâte de faire la route arc-en-ciel. Les DLC sont déjà sortis. Non, pas encore, c'était juste pour hyper. Ça a marché, j'ai 6 viewers. Chili. Oui. Oui, oui. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pice. Mais non, mais putain, mais vas-y, je l'avais ma carapace verte. Ça vous fait chier. C'est ma peine, émoustillé l'annonce des DLC. Ah bon? Qu'est-ce qui
qui se passe, Chichi? Comment t'expliques ce manque de libido? Je sais pas conduire. C'est normal, t'as pas encore fait le code, Bobby. Ouais, mais d'habitude, j'arrive quand même à faire semblant. Même le jeu est d'accord avec moi. Oh non. Ah, j'ai meurté à Yumu là, c'est obligé. Là. Bah et voilà. Incoming la deuxième. Ah non, le champion, bien joué. J'accroche plus trop à MK. Bah qu'est-ce qui se passe, Chichi? Mais tu joues à quoi si tu joues plus à Mario Kart? Non, en vrai, vraie question, c'est quoi tes jeux du moment, Chichi? De toute façon, toi, jeu multi, ça t'accroche que moyennement, quoi. Ça t'accroche que très peu de temps. Le Royaume Sorbet, toujours, hein, évidemment. Meilleure course, hein. Oui, meilleure musique. Que tu prendrais Royaume Sorbet. Meilleur mu quoi. J'ai un père l'a dit, à cette heure-ci, il n'y a que les vu le temps que j'ai. Ouais, trop de boulot, quoi. Bah ça, après, hein, faut trouver une work-life balance, hein. Moi, je pense que j'aurais du mal à bosser comme Ayumu et toi. Et Zugi aussi d'ailleurs. Enfin, Zugi a des horaires, je pense, moins horribles que vous. Parce que elle, ça reste quand même sur des heures qui sont plutôt proches de celles d'un horaire de bureau, quoi. Tu rajoutes une heure de 30 de trajet que j'ai maintenant. Quoi ? Ah non, mais faut que tu trouves un boulot autre part. Fais-toi transférer. Tu bosses pas dans une chaîne, toi ? Enfin, dans une chaîne, pas une chaîne, mais tu vois, genre un. T'inquiète pas. Ah bah je me disais. Le sacrifice de ta carapace rouge n'est pas 20, Ruby. Non, c'est 10. Putain, j'ai failli m'arrêter de jouer. Oh putain, mais vas-y, j'en ai marre. Je suis bien où je suis. Bah non. De manière évidente. T'es pas bien où t'es si tu te plains d'avoir 1h30 de trajet. Je joue beaucoup à TFT encore. Non mais je veux dire hors les jeux vidéo, Chichi. Hors les jeux vidéo. 1h30 de trajet, ça te va? T'es en quoi? T'es en voiture ou en transport? Parce qu'à Paris, bon, les deux sont envisageables, donc 1h30 en voiture? Ah ouais, t'habites à 10 mètres de ton boulot, c'est ça? Non, je sais pas. Paris, c'est tellement mystique en vrai. Je râle pas sur mon trajet, j'explique juste un peu le temps que j'ai. Ah non mais t'as de justification à donner à personne, hein. Sur ton temps. Moi je sais que pour le coup, quand j'étais à une heure de temps de trajet de mon boulot, je pétais un plomb. Ah, ok. C'était horrible. Je savais que si le matin ou le soir je ratais mon bus, l'heure devenait 1h30 et c'était horrible. En transport, oh l'enfer. Bon désolé Ayumu, j'ai conduit comme un pied mais le jeu me préfère apparemment. J'aime l'endroit où je bosse et j'aime la douane maison, donc bon. Ouais, bah écoute. Écoute. C'est toi le chef de toi, hein. Moi je suis pas là pour dissuader les gens ou pour leur expliquer que leur vie c'est de la merde, alors là clairement pas. J'ai autre chose à foutre. Mais du coup, effectivement, TFT, ouais. Alors en même temps, ça m'étonne pas trop, c'est un jeu qui a une bonne durée de vie, une bonne replayability. Le jeu est sympa, on va dire, je pense. Même si je trouve qu'il est tellement hard à prendre en main. Genre, en vrai, pour jouer à TFT, t'es obligé de regarder des youtubeurs, non? Ou des streamers? Quelqu'un qui t'explique. Ouais, c'est ça, t'es obligé que quelqu'un te dise, bah la méta en ce moment c'est ça, quoi.
parce que sinon tu peux pas gagner une partie. C'est dégueulasse ça, Ruby. C'est comme la première partie de Seven Wonders que tu fais. La première partie de Seven Wonders que tu fais, tu te fais tout le temps absolument niquer par le mec qui a commencé à jouer la science et que personne n'a contesté quoi. Voilà. On est d'accord, t'as fait exprès de laisser tomber, Ruby. Je l'ai pas laissé tomber, c'est toi qui va contre moi. Jamais regardé, j'y vais à l'instinct. Mais t'es en quoi? T'es bien classé ou pas? Moi. Ah pardon. Bah je te confirme que tu m'as cogné et c'est à ce moment-là que tu t'es tombé. Ok. C'est pas mal mais c'est pas incroyable non plus. Mais oui pas mal, ok. Gold c'est bien. Gold sans jamais avoir regardé de méta ou quoi, c'est pas mal. Franchement ça va. Mais je veux dire les items, tu comprends ce que tu fais et tout ou tu fais comme moi et t'es en mode ouais. J'ai ouvert un petit lien à côté pour savoir à peu près ce que ça fait, mais j'ai aucune idée des meilleurs combos ou quoi. Bah là, je suis super heureux parce que j'ai un champignon. Ah non, c'est... T'es vraiment le pire des bâtards, Auron. Je prends ça comme un compliment. Bah évidemment. Tiens, regarde. Ça c'est pour toi. Je disais ça c'est pour toi. Voilà. Ouais, j'ai pas eu le temps. Et la prochaine elle est plus bonne. Mais il a ça. Oh sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a? T'es tombé? Ouais. Après on peut pas te protéger de ton niveau de jeu Ruby quoi. Pardon, excusez-moi, c'était pas gentil ce que j'ai dit. Faut que j'arrête d'être méchant comme ça là. Faut que j'arrête d'être Evil Pokéchou en fait. Sauf que quand moi je dis quelque chose qui est a priori gentil, tu me dis je vais me faire ban. Exact, c'est vrai. Alors que moi je balance des fions toute la night quoi. Et je n'en subis aucune conséquence. Par contre en hyper roll je suis bien placé. Non mais hyper roll ça compte pas. Tu les connais. Tu connais les items? Ou tu connais la méta item? Moi je comprends rien de façon à TFT en vrai, enfin je comprends rien, non. Mais oui, c'est juste que je trouve que c'est pas... TFT c'est le auto-chess de League of Legends, tu sais, ils ont fait un jeu où t'achètes des champions et quand t'en as 3 ça se combine en un seul de rang 2 étoiles et quand t'en as 3 2 étoiles ça se combine en un seul de rang 3 étoiles et tu les fais se battre et ils se battent tout seuls. Ah oui. Non. Ça te dit rien? Ça me dit rien du tout. Rien du tout. Bon bah voilà, c'est un... Comment dire? C'est un jeu de draft, donc je sais pas si en jeu de plateau t'as joué à Seven Wonders ou Century ou... Non, je dis rien. Je pense que Seven Wonders c'est ce qu'il y a de plus proche. Et bref, en gros, le concept du jeu c'est... tu as des manches, donc tu as 8 joueurs. Et chaque joueur a son plateau qui ressemble un peu à un échiquier. D'ailleurs, c'est ça. D'ailleurs la version Dota s'appelle Auto Chess. C'est pas pour rien. Vraiment là? Ok. Et en gros, chaque joueur a son petit échiquier sur lequel il va poser les persos qu'il a. Et en fait, les persos sont tirés dans une liste qu'on te propose avant chaque manche, aléatoirement. Donc en gros c'est un jeu de draft parce que dans la liste qu'on te propose, il y a des champions que les autres n'ont pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre par exemple, t'as 60 Mario et 40 Luigi pour toute la game. Et tous les joueurs vont se partager les 60 Mario et les 40 Luigi. Voilà. Et après, donc quand tu as fait ça, tu fais une manche où tu te bats contre tes adversaires. Et te battre contre tes adversaires, c'est envoyer ton échiquier se battre contre l'échiquier d'un autre. J'ai réussi à me manger. J'ai pu voir en stream. J'ai réussi à me manger ta carapace rouge en étant derrière toi. J'aurais aimé savoir comment. Nintendo. Et du coup, tu gardes celle-là? Oh là 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 là. Bah ouais, voilà. Ah, les 2000 balles derrière, c'est magnifique. Ce Yayou va me faire le cul, non, c'est bon ça. J'ai pas conduit. Mais quoi? T'es sérieux là? Putain, non, vas-y.
C'est ma course en fait, ça. C'est littéralement ma course. C'est vraiment genre passer à côté de quelqu'un, me manger ses carapaces rouges de manière random. Mais putain, mais c'est quoi ce festival d'étoiles derrière? Waouh. À mon avis, je suis trop loin devant. Ah là, je pense c'est clairement ça. Ouais. Ah, je vais finir quatrième parce que je peux juste pas les rattraper en fait. Ouais, voilà. Ok. I hate losing! Ouais! Oh là, oh là, oh là, oh là! Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là! T'es pas très vendeur. Sur TFT, mais en même temps, c'est un jeu, c'est difficile à expliquer les jeux de draft hein, en vrai. Hein. En fait, si tu dis pas ce que c'est qu'un jeu de draft, allez, c'est compliqué d'expliquer le principe d'une draft. Ok. Une draft, c'est une draft. Une draft, c'est une draft. Une draft, c'est. Voilà, t'as un pool commun. C'est comme à la NBA. Il y a plein de joueurs. Et bah, chaque équipe en prend un. Et puis après, c'est une autre équipe. Et puis après, c'est une autre équipe. Enfin, voilà. C'est la même chose. Mon Bill a freiné derrière toi. Non, c'est parce que j'avais. J'avais des champignons, je crois. Oui. Merci, Ruby. Merci. Putain, t'es trop gentil, Ruby. Vraiment, quoi. Il a freiné? Bah, je sais pas. Ça doit être que les cheat codes que j'ai activés la dernière fois sont encore un peu actifs là. Ah, je vais manger une, voilà. Évidemment. Mais tu vas le regretter, Ruby. Ah, Yumu, recule un petit peu. Yeah. Ah, dommage. Désolé, Yumu, du coup. C'est pas fou de vous le répéter. Arrêtez de me stiffer le cul. Oh, c'est très agaçant. Je comprends. Et je dis pas ça parce que je suis à zéro pièce. Mais je dis ça parce que je suis à zéro pièce, tu vois. Ah! Oula! Elle est assez incroyable cette course en vrai. Hein. Elle est trop bien, j'adore. Non. C'était ironique. Hein. Si jamais tu l'avais pas, c'était vraiment, vraiment ironique. Quoi. Enjoy the poète. Tu verrais ou pas, ça va lui faire du bien? Ah non, elle l'a balancé le poète. En même temps, il y a besoin d'étoiles là. Je crois qu'il est pas là ce soir. Oh là là! Oh là là! Bah dis donc, ce serait sympa! Attendez, vous en êtes déjà au cut là! Oh là là, on a tellement de retard sur vous. Moi je suis toujours à zéro pièce, hein. Je n'ai pas de pièce, hein. Depuis le début de cette course, hein. Si jamais un. Putain de merde! Bah c'est à dire qu'il y a deux pièces sur circuit de merde, donc bon. Il y en a une là, et puis après, bah allez vous faire foutre quoi. Dans les virages, il y en a pas, hein. Enfin, il y en a, mais elles sont sur les extérieurs du virage. Je comprends pas trop le concept en fait. Bah faut pas être mauvais alors, hein. Non, j'ai tout claqué. T'inquiète, je risque pas de te rattraper, tu m'as piqué le double, du coup j'ai rien. J'ai dit, Ruby. Merci. J'ai pas vraiment compris qu'on s'attrape que t'aurais pu me dépasser aussi rapidement alors que j'étais quand même bien devant. Ben, run champi, hein. J'ai juste les carapaces en bon moment. GG. Ah, quel enfer! Du coup, tu nous laisses là, Urbi? Ouais, moi j'y vais. Là, je pense qu'on va s'arrêter tout court, de toute façon. Je pense que là, c'est un bon moment. De quoi? Bah, Urbi, il termine bien sur une première place. Ouais, je pense que c'était le moment de s'arrêter les viewers. Il est 22h45, on est fatigué. Mario Kart, c'est un jeu qui est épuisant quand même. Je note qu'une séance de Mario Kart de temps en temps, c'est bien. Mais deux d'affilée. Le truc, c'est surtout qu'on est en fin de semaine. On est tous fatigués de notre semaine. Ouais, mais la semaine dernière aussi, on était en fin de semaine. Ouais, je pense que voilà, il y a des semaines avec. J'ai une semaine un peu longue. Ouais, voilà, tu vois. Je pense qu'il y a des semaines avec, des semaines sans. Je pense que trop de Mario Kart tue le Mario Kart, quoi qu'il arrive. Bref, bon, les cocos, c'est l'heure de s'arrêter. On va se faire des bisous là-dessus. Je vous remercie d'avoir été là. On a passé une soirée qui était quand même plutôt bonne, bien que sous le signe du sel et de la cuisine épicée. C'est bon, le sel.
Mais en tout cas, j'ai des idées d'emotes qui vont parvenir un de ces quatre. Donc ça, c'est chouette. Et puis, exactement, Pocket C1 en fer sera parfait. Et puis, et du fromage que j'ai gagné une fois et j'ai fini deuxième juste parce que Auron a triché. Mais si, je regarderai la rediff. Mauvais perdant. Je regarderai la rediff. Auron a triché, c'est évident. demain matin, Pokémon version développement pas cher. Soyez là, en pleine forme. On va trouver des tonnes de shiny. Des bisous les viewers. Yeah. Dormez bien. Et à demain. Ciao.